Yo la famille, tranquille ou quoi? Moi la forme, la banane même. On est là, on se retrouve pour une petite vidéo sur Red Dead. Comme vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur des secrets, sur des astuces. J'ai vu que ça vous plaisait pas mal. Et GTA, ça me gave, à force de faire que des courses impossibles, de changer un peu, ça fait du bien. Donc là, on se retrouve pour un petit secret de plus. Si, comme d'habitude, il y en a qui peuvent me dire pourquoi il est là, comment ça s'est passé ou quoi. Car faut savoir que sur Red Dead, des easter eggs, il y en a plein. Donc ce secret là, ça va être un couple qui est mort gelé ensemble. Donc je vous fais voir la localisation. Non, je vous la fais voir après la localisation. On va directement aller dans le vif du sujet. Donc déjà, vous avez vu que ça se passe dans la neige. Si le couple il est mort gelé, il va pas être mort gelé dans le sous le soleil quoi. Donc vous avez vu sur la carte là, j'ai deux petites croix. Je vous ferai voir après, il y a marqué corps. Donc on va y aller ensemble. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc ça dépend de quel côté vous arrivez les amis. Donc ça c'est pas vraiment un astuce, c'est plutôt un secret celui-ci. Hop, c'est bon, je suis au campement. Vous me dites si pour fouiller, pour vous faire les secrets et astuces, si vous préférez que je me mette en vue comme ça, troisième personne, ou que je me mette en vue première, comme ça. Voilà, vous me dites ce que vous préférez. Donc là, c'est normal, une biche gelée. Vu le temps qu'il fait et le climat là, je peux vous dire que si tu restes dessous sans immobile là, tu deviens comme le couple. Donc ça c'est le campement les frérots. On visite après le campement. Voilà le couple. Donc n'oubliez pas de me dire si vous préférez troisième personne ou première personne. Moi je pense que comme ça, ça... Ah, ça fait un bruit, vous avez vu? Ça fait... Moi personnellement je préfère comme ça, je trouve que vous voyez beaucoup plus que comme ça là, voilà quoi, tu vois déjà là on voit pas grand chose. Allez hop, on fouille le campement, on va pas mettre 30 ans. Donc voilà le couple en question. Voilà, oh le pauvre. Vous avez vu quand même, ça fait vachement le couple amoureux. Ils sont morts enlacés, tous les deux ensemble, lui blotti face à sa femme. Bon, en même temps, quand t'es tous les deux, si t'es avec ta femme dans la neige comme ça, la meilleure moyen de se réchauffer, c'est de se frotter avec elle. Enfin, tu vois, de se blottir à côté d'elle. Donc, ils ont fait la bonne solution. Vous avez vu, il y a un petit message, les amis. Si vous avez des secrets, des astuces, des trucs louches que vous avez vu et vous voulez que je les fasse en vidéo, ça peut m'aider. Vous me les envoyez en message privé ou en commentaire. Va à Yankton, y a ci, y a ça, ci, y a ça. Allez hop, on y retourne. Ah, il est vraiment mort gelé le pauvre. Bah pourtant, non, je veux dire, pourtant il fait beau, il peut décongeler, mais non. Une fois que t'es gelé quoi. Vas-y, on va lire le message parce que ça m'intrigue. Ah d'accord. Ce n'est pas un message, c'est une carte panoramique. Ok d'accord. Ça m'aide vachement sur la raison pour comment ils sont retrouvés là au lieu de bouger, de rester sur place. Une carte avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. Je sais pas si vous êtes dans le même délire que moi. Et en ce moment sur Red Dead, il y a pas mal de ovnis, soucoupes volantes et tout, d'après vous avez vu mes vidéos. Et là au bout des 5 traits... Les 5 traits partent du même endroit. Comme si on était au-dessus d'une colline. Et regardez bien, vous suivez les 5 traits. Bizarrement, sur les 5 traits, il y a une espèce de sphère ronde blanche. Comme une piste d'atterrissage. Tout à gauche, je la vois. Là, je la vois. Là, je la vois une. Et là, je la vois une. Et celle-ci, peut-être sur deux une, mais toute petite. Je me demande si c'est pas encore des ovnis. Des emplacements d'ovnis. Là, bah attends, il y en a combien si c'est des emplacements d'OVNI, les frères? J'avais déjà fait deux, ça ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous y savez un peu plus sur cette carte, vous pouvez me conseiller, ce serait cool, la famille. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le campement? Il y a rien, on peut pas les fouiller, hein. Que dalle. Hein. Que dalle. Sous leur tente, il n'y a rien. Rien du tout. Ouais, ils auraient pu mettre un truc rare. En fait, ils sont restés en galère là parce qu'ils avaient plus de cheval quoi. Ils avaient plus de cheval. Il fallait sûrement qu'ils ramènent toutes leurs caisses. Si ça se trouve c'était des provisions ou quoi. Ils pouvaient pas laisser toutes leurs caisses. C'est des décès, ils allaient les perdre. Ou alors ils poussaient à la main. Waouh, déterminé mon frère. Je pense qu'il tirait son truc à la main parce qu'il a pas l'air d'avoir de cheval là là. Ouais ouais, il devait le tirer. Puis ça, ce n'est pas un cheval ça. Ah bah si, c'est leur cheval. Ah bah voilà les amis. On a trouvé. Leur cheval est décédé juste là. Ils ont dû vouloir tirer des trucs à la main. Ils ont fait très peu de route.
Et au bout d'un moment, ils en pouvaient plus. Ah voilà, bah voilà, on commence à savoir un petit peu plus. Bon voilà, sur ce petit couple gelé, très intrigant les amis. Très intrigant mais très mimi. Je vais essayer de les réchauffer. Je vous ferai la localisation sur la carte. Alors, ça les réchauffe que dalle. J'ai une autre manière moi pour les réchauffer. Ah bah non. Ça c'est une deuxième manière pour réchauffer. Bah il veut pas poser. Ah voilà. Ah ouais ils sont gelés hein. Ils sont vraiment gelés jusqu'au bout. Ah j'ai réussi à casser une jambe à la daronne. Oh là là, on doit faire des secrets, on doit pas faire des trucs crado. Vous avez vu, j'ai réussi à casser une jambe à la daronne. Ah bah j'ai réussi à casser ses deux jambes à lui. Ah non, elles sont dans la terre. Ah j'ai réussi à casser une jambe. Oh, trop chelou. Bon allez, sur ce la famille. Moi je vous laisse, c'est un petit secret Red Dead. Un couple gelé. Je vous ferai la localisation sur la carte. Et je vous fais ça un petit au revoir très vite. Donc vous avez vu, vous allez tout en haut. Tout en haut, tout en haut de la carte. À côté de Ambaranino là, je crois. Là, il y a Spider Gorge. Et bah, vous allez juste là. Spider Gorge. Voilà les amis. Là t'as un petit truc rond. Tu vas juste là et tu vas rien de croix. Sur ce la famille, moi je vous laisse. Je vous remercie tous de regarder les petites vidéos secrets et astuces. Red Dead c'est sympa. Des petits likes, des bons commentaires de soutien. Merci à vous la famille. 2019 ça fait plaisir. Bonjour bonjour.